Cynthia Thierry, bonjour. Bonjour Lucas. Merci d'être avec nous. Vous êtes une autrice d'origine tourangelle. Parfait. Et vous êtes justement à l'origine de cette chose. Alors cette chose, c'est un magnifique ouvrage. On va en parler, c'est un docu-BD, on va expliquer ce qui se trouve à l'intérieur. Mais est-ce que vous pouvez nous en parler dans les grandes lignes? De quoi ça parle? Eh bien, étonnamment, ça parle de la reine Elisabeth II. Elisabeth II, God Save the Queen. Hein. Exactement. Qui vient de sortir à l'occasion du jubilé de la reine. Et évidemment, ça parle de la vie de la reine Elisabeth II, depuis son enfance jusqu'à nos jours. On appelle ça un docu-BD. Un docu-BD, oui, tout à fait. C'est le genre dans lequel les éditions petit à petit sont passées maîtres. Donc, en fait, il s'agit d'un album constitué d'une quinzaine de petites histoires illustrées en bande dessinée, de 5 pages à peu près. Et entre chaque histoire, on va trouver un petit documentaire de 2-3 pages qui sont rédigés par une journaliste agrémentée également de photographies. Oui, voilà, vous avez travaillé à plusieurs hein, sur ce... Oui, il y en est 3. Oui, oui. Tony Lourenço est le scénariste et Sophie Blitman a écrit les pages documentaires. Et vous dessinez? Tout à fait. Vous dessinez. Alors, j'ai envie de vous poser une question. J'ai cet ouvrage. Pourquoi elle? Pourquoi Elisabeth II? C'est une bonne question et je ne serais pas la personne la plus à même de vous y répondre puisque, en réalité, c'est Tony Lourenço qui a eu l'idée de ce sujet. Mais vous, ça vous a plu, du coup, de oui, pouvoir oui, la dessiner? Oui, tout à fait. L'éditeur a pensé à mon style de dessin pour ce sujet-là. Et ma foi, la vie de la reine Elisabeth est tout à fait passionnante. Je ne fais pas partie à l'origine des fans de cette personne, mais en travaillant sur ce sujet, je m'y suis vraiment attachée. Elle a une personnalité vraiment exceptionnelle. Et cet ouvrage est vraiment divertissant, au-delà du fait de parler de ce personnage populaire cette semaine. N'est-ce pas? Alors, il y a un aspect, du coup, puisque vous n'étiez pas spécialement une grande fan d'Elisabeth II, il y a un aspect de sa vie qui vous a plus marqué que d'autres, là, dans les dessins que vous avez faits, par exemple? Elle me l'a dit, hein, c'est quand la reine Elisabeth l'a reçue pour prendre le thé avec l'ours Paddington. Enfin, ah, bah oui! C'était quand même un grand moment. Ça y est, on l'a perdu! Et en dehors de l'ours Paddington. Non, mais moi, en fait, j'ai tout découvert sur la vie de la reine Elisabeth en faisant cet ouvrage. Et en plus, j'ai reçu les scénarios au fil de la réalisation. Donc, je découvrais vraiment en détail sa vie. Et j'ai beaucoup aimé, dès le départ, dessiner la reine Elisabeth sous les traits d'une petite fille espiègle, avec vraiment une personnalité bien affirmée, un caractère bien à elle, et déjà un sens du devoir très présent. Effectivement, une personne qui n'était pas censée être reine si vite. Exactement, exactement. Elle n'aurait pas dû devenir reine. Elle n'aurait pas dû devenir reine. Non. Elle n'aurait pas dû devenir reine. Pour découvrir tout ça, donc il y a des pages qui ne vous concernent pas, mais dont qui ont été rédigées par Sophie Blitman. Voilà. Et qui enrichissent le. Voilà, ça enrichit, c'est complémentaire en fait. C'est complémentaire, oui, c'est ça. Tony Lourenço ne s'est pas appuyé sur ces pages-là, c'est vraiment un travail complémentaire qui a été fait. Et il y a donc vos planches tout au long. Donc, c'est tout de vous. En gros, on vous a commandé un scénario et vous avez dessiné la vie de cette personne. Alors, Tony Lourenço a écrit les scénarios, a fait tout un travail de recherche iconographique pour me faciliter la tâche et pour que j'ai des bases solides. Oui, parce que c'est... On reconnaît les personnages quand même. C'est pas, j'espère. C'est pas une libre interprétation. Rassurez-nous, c'est pas une libre interprétation. On sait ce qu'on trouve dedans. C'est pas une libre interprétation, évidemment. On ne raconte que des événements qui se sont vraiment réalisés, mais évidemment qui sont scénarisés et qui sont racontés à travers différents types de narration, puisque le fait de pouvoir changer de narrateur d'une BD à l'autre rend vraiment l'histoire vivante. Et c'est aussi la qualité de ce scénariste-là qui arrive à passer d'un ton très humoristique, un peu potache, un humour noir, ou au contraire très théâtral, dramatique, enfin, c'est très varié et c'est ce qui fait l'ouvrage très riche. D'après vous, ça s'adresse à qui? Des passionnés de la reine ou même des personnes non, qui n'y connaissent rien? Non, vraiment pas. Je pense que c'est tout public parce que c'est divertissant de la manière dont c'est raconté. Mais l'avantage aussi du docu-BD, c'est d'apprendre sur un sujet, d'en devenir presque expert, tout en n'ayant pas l'impression d'apprendre quelque chose.
par le divertissement, devenir expert. Mais tout le monde, finalement, est intéressé par ce personnage, parce qu'elle a traversé tellement de choses, et elle a rencontré les plus grands, enfin, sur le plan historique, c'est quand même... Oui, oui, c'est presque 100 ans d'histoire. Hein. Oui, mm. Et puis c'est une icône, enfin bon, voilà. C'est... L'icône de la pop culture, en plus d'une personnalité politique de premier rang. Je crois qu'elle a rencontré un quart des présidents américains. Enfin bref, c'est énorme. Merci beaucoup, Cynthia. Ce livre, donc, Elizabeth II, God Save the Queen, qui vient de sortir en même temps que le jubilé de platine de la reine d'Angleterre. On peut le retrouver aux éditions Petit à Petit, oui, 19,90 €. Tout à fait. Et si je peux me permettre juste de rajouter que je serai en dédicace à la FNAC samedi après-midi de 15h à 18h. Donc, FNAC de Tours, venez nombreux. Venez nombreux. Et si on veut retrouver votre travail en dehors de ce livre, c'est possible aussi? Oui, oui, tout à fait. Ben, là, je continue ma collaboration avec les éditions Petit à Petit, notamment sur un ouvrage collectif avec d'autres illustrateurs qui parlera de l'histoire de Tours. Ah, oh, c'est chouette. Affaire à suivre. Alors, vous reviendrez nous en parler, Cynthia. Avec plaisir. Eh ben, merci beaucoup d'être venue nous présenter ce magnifique ouvrage que j'ai dévoré avec grand plaisir. Et on n'a rien de temps.